identifie comme créole. C'est la culture africaine. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves de motion. Déjà, le voyage lui-même a duré 3 jours au lieu de quelques heures à cause de mes avions qui continuaient à être reportés, annulés à Londres. Avec mon petit anglais, déjà à l'aéroport, ce qu'on disait, c'est comme si je ne comprenais absolument rien. Et puis j'ai dit, bon, voilà, une nouvelle aventure qui commence. On nous a chargés en plein mois d'août dans des comptes du bétail, dans des autobus scolaires, des autobus jaunes. Et on a fait ce trajet très long, parce qu'en autobus scolaire, à l'époque, la limitation de vitesse était à 50 miles, 55 à l'heure. Je suis venue en auto du Canada avec ma meilleure amie à l'époque. Et on se suivait toutes les deux, elle devant moi derrière. Et quand on est arrivé en Louisiane, au premier signe de la Louisiane, on est débarqué, on a fait des photos avec les pélicans. Enfin, les statues des pélicans, on était vraiment, vraiment contents d'être là. Le français québécois est un petit différent. C'était dur pour moi pour comprendre. C'était remarquable. Ces premières semaines, c'était difficile pour moi. Juste parce que c'était une grande ville. Et je n'étais pas d'habitude pour une grande ville comme ça. Oh, moi, elle, j'ai rencontré un bal. Il avait un bal de campagne. C'est là, proche tous les gens m'ont allé. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme. Ma père et ma mère ne parlaient pas en anglais, juste le français. Mais j'avais 4 sœurs et puis un frère. Entre nous, on parlait le français. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai un enfant. Un garçon? Et mon garçon, il a fait 61 le 12 d'août. Je suis la fête à ma femme. Est-ce qu'il parle français? Non, lui, il ne parle pas français. Non. We haven't seen the evidence. They have not revealed it to Mr. Trump. I don't know if he's telling the truth. But that's what he was saying. He's saying the report's not complete yet. But he was also saying the institution to begin with, that only the person in the job was only selected after the filibuster was ended for non-Supreme Court appointments. And, you know, we do have the kind of example of Merrick Garland, the unprecedented. This is Theodore Hamilton Brody IV. Theo grew up in the hills outside of West Monroe in North Louisiana. Although he is a direct descendant of the French-speaking Acadians who came in the 18th century, his childhood in Louisiana was no different than any other boy across America. He enjoyed watching Saturday cartoons, playing online video games, and listening to heavy metal. How is it that after more than 300 years living in the New World, his family had suddenly lost the ability to speak French? Was it TV? Consumer society? School or music? What has just happened?
La Louisiane, c'était un État où on parlait français. Les lois étaient en français. On parlait français à la maison, à l'école, on parlait français. C'était un État bilingue. C'était le seul État avec cette puissance, ce patrimoine francophone. My father can sing in French, but he doesn't really speak it. And then I didn't speak it at all. I would hear it when my grandparents spoke it, but they only wanted us, they only spoke it when they didn't want us to hear it or understand what they were talking about. The Americanization of French speakers accelerated in the 1910s as the State Board of Education banned the use of French in all public schools. Teachers punished the children who used it at school, and French rapidly became the language spoken at home. There has been since, you know, at least the early 1900s, if not longer than that, the view that you should not be a, quote, hyphenated American, you should just be an American. And so if you're going to come here, you should learn to speak English and forget your other language. It seems an extreme thing to do in retrospect, to whip these kids, to make them kneel on kernels of corn or rice in the corner, to whip them with a bicycle inner tubes and all the horrible things you hear, to make them urinate on themselves in the classroom because they didn't know how to ask in English, can I go to the restroom? We Cajuns have not forgotten to go ahead with times, though. And in contrast to the quaint countryside are the up-to-date little towns and small cities. None is large, for we are not a very numerous people, but each of our towns has the air of a little metropolis. Unusual architecture is to be found in some of our churches. In our older public buildings. Parce qu'avec mes études, je suis prof aussi à LSU. Et quand ils entendent, quand les personnes ils entendent que j'enseigne le français, souvent ils vont dire « Ah, oh, mes grands-parents parlaient français, mais ils ont été, mon grand-père a été battu à l'école, donc il n'a pas parlé avec ma mère. » Et quand j'entends ça, il y a un côté de moi qui est comme « Oui, je sais, mes grands-parents aussi, on connaît tous l'histoire. » Mais c'est pas tout ça. Ça, c'est pas toute l'histoire. It was World War II and the Cold War with their emphasis on Americanism, the coming of a consumer culture that brought a lot of appliances into Cajun homes, including that Americanizing agent television. You had the coming of rock and roll music, which was in English. Ben, il y avait toutes ces affaires du 20e siècle. C'est comme un perfect storm, oui? C'est comme tout un mélange de défis. Cajun males between the ages of 18 and, was it 36 or 38, were suddenly being drafted and sent all around the country to boot camp, where they were surrounded by Anglo soldiers, they were outnumbered by Anglo soldiers, and they had to learn to speak English in order to get along. Après 1945, l'économie de Louisiane se diversifie. Il y a vraiment une ouverture de la Louisiane sur le monde, avec de meilleurs emplois, notamment dans l'industrie pétrolière. Mais pour accéder à ces nouveaux emplois, il faut pouvoir parler anglais. Gonna be a little short. About 70 miles. Hey, this is Bob for Texaco Hope in the Gulf of Mexico. Donc quand je suis arrivé en 1974, les gens, dès qu'on approchait d'eux, des Cajuns qui parlaient français, ils passaient à l'anglais, parce qu'ils ne voulaient pas parler français avec d'autres personnes. Dans leur esprit, ils ne pouvaient pas, parce que ce n'était pas du français, c'était du Cajun. Pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas parler français? On a oublié. Mm-hmm. Vous croyez que c'est la bonne raison? C'est la seule raison, ça? Non, mais à votre avis, à vous. Oui, moi, je ne sais pas, moi. Je crois que c'est chic de parler anglais. Elle va à l'école et toutes les autres petites filles parlent anglais, alors c'est plus chic de parler anglais que de parler français. Les années, les années, les années de discrimination, d'abus, de trauma, pour donner l'attitude que c'est vrai, le français, ça ne nous aide pas. T'sais, autant qu'on continue à faire une vie en français, autant on reste des petits pauvres, basse classe, ici. Donc il faut... Il faut s'afficher comme anglophone, il faut se greffer à ce qui est américain pour pouvoir sortir de cette marasme de pauvreté et manque d'opportunités. Ça me fâche un petit brin.
parce que ça me donne l'idée qu'ils ont peut-être honte de leur langage français. South Louisianians who spoke French as their first language, whether they were Cajun or Creole by any definition, have often been denigrated by outsiders or even English-speaking locals for speaking French, for being different. What happened to that? I don't know, but Kelly know how to cure her. You take her to my cabin. My cabin is down there, right through there. You carry her, huh? Some of this contempt against Francophone communities is still to be seen in today's media and film production. Ils essaient de montrer le peuple de la sud de la Louisiane, comme on appelle les Acadiens, les Cajuns. Ils leur montrent comme des personnes qui demeurent dans les bayous avec des gros pieds comme un canard. Mais moi, mes pieds sont comme tous les pieds des autres. C'est j'ai ça, pas de problème avec mes pieds. I found that interesting that, you know, in 2017, Kunas is still being used by, you know, outsiders to denigrate people down here. Outsiders who may have no idea what they're talking about. They seem to, in the comments I looked at, seem to regard everyone in South Louisiana as backwards and benighted. When if they came down here, I think they might be surprised. In 1968, as the Americanization of French speakers was almost completed, one politician started to speak up and fight for his heritage. Jimmy DeMangeau, c'était un homme politique de Louisiane, quelqu'un de très charismatique, un ancien membre du Congrès, quelqu'un qui aimait beaucoup la boxe, qui entraînait des boxeurs dans son salon, quelqu'un de très engagé. Et à la fin des années 60, son nouveau combat, c'est la défense du français. Donc sous son impulsion, et celle d'autres membres du Parlement de Louisiane, est créé le CODEFIL en 1968, c'est-à-dire le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Becky? Ta mère m'a dit que tu avais été voir le docteur aujourd'hui? Mom, it's Grandma. Come and talk to her. She's talking French now. Oh, she's saying. En 68, le Godofil, la nouvelle idée, c'est de sauver le français par l'école, par l'éducation. However, in the early 1970s, Louisiana did not have enough instructors to teach French. The solution came from abroad. Dans les premières années, on est arrivé à faire venir, à trouver les budgets pour faire venir presque 500 enseignants de l'étranger. Je me souviens bien d'une année où on avait 300 Français qui sont arrivés en Louisiane, c'était énorme. C'était non seulement des Français, c'était des Belges, c'était des Haïtiens, c'était des Québécois, c'était des Acadiens, c'était des gens de partout, de la francophonie. Le succès du CODEFIL, c'est d'avoir réussi à rassembler ses partenaires locaux et internationaux. Donc la préservation du français en Louisiane, c'est pas simplement des musiciens, c'est pas simplement des acteurs, c'est pas simplement des hommes politiques, c'est une rencontre entre le local et l'international. CODEFIL quickly became successful. Louisiana reconnected with its international roots. On his return to Paris, the governor-elect tended to some of the serious business on the trip, meeting with French President François Mitterrand and expressing his gratitude for the French involvement in the 1984 World's Fair to be held in New Orleans. C'est ça qui a déclenché l'intérêt des Français et des Québécois et des Belges en premier lieu, là. Ils sont venus pour notre langue. This new interest from the international community allowed the people of South Louisiana to be proud again, proud of their French heritage. Et maintenant, on était mouillard, embarrassés.
parce que de notre héritage. Vraiment, pas vous, mais moi. Je disais, pourquoi? Pourquoi embarrasser parce que de notre héritage? Maintenant, là, tout le monde, ça dit qu'on est tout si... comment on dit ça? Si intelligent, on est bilingue, incroyable. Oh, si donc je pourrais parler le français. C'est un changement énorme qui s'est fait en l'espace de 20 ou 30 ans. La psychologie du français holisien a totalement changé. After years of denigration, French has become a source of pride again. The word Cajun has even started to become widely popular, even with politicians. Maintenant, à la Louisiane, il y a beaucoup de monde qui dit que je suis Cajun. Mais ça veut dire qu'il a quelqu'un dans sa famille est français, ou ses parents parlent français, ou quelqu'un qui parle français, ou peut-être il mange boudin, ou il aime boudin, ou quelque chose comme ça. Il dit, il aime la musique Cajun, donc il est Cajun. What you have today is this, you know, 500,000 plus population of Cajuns in Louisiana and elsewhere, East Texas and other parts of the U.S., who are prouder than ever to be Cajuns, and yet more than ever they don't speak French, they just speak English. So I think the Cajun people themselves, the mass of average ordinary Cajuns out there, have decided for themselves that we can be Cajun without the language. C'est bien. Ah, je mets le chapeau sur la tête, quoi. Brandy, qu'est-ce que c'est? C'est le chapeau d'un coin. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que c'est, Brian? C'est le chapeau d'un coin. C'est bien. C'est in the 1970s, students had 30 minutes of French every day. Clearly not enough to sustain the use of French in Louisiana. Comment tu t'appelles? Isabella. Isabella has been in French immersion since kindergarten. 75% of the instruction she received at school, science, social studies, math, has been in French. Je ne connais pas qu'est-ce que je vais faire de mon travail, mais je pense que je vais aller au Paris et peut-être faire les choses avec les petits enfants qui veulent connaître l'anglais. The story of immersion in Louisiana is the story of teachers, principals, and politicians who started to wander out of Louisiana to find better teaching methods for their students. Yeah! In the 1970s, Hawaiian bilingual schools were on the forefront as much as the ones in Quebec, Canada. On a visité le programme d'immersion de Montréal, qui on a été évidemment emballé. And this is how it all began. An immersion program in Louisiana to help save a language. Good afternoon, Myrtle. Et les Espagnols sont arrivés, puis ils ont trouvé les choses et ils sont retournés en Espagne. Sur le test, on avait deux listes. Les affaires, les choses, les produits d'origine d'Amérique, les choses d'origine de l'Europe, d'Espagne. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est d'origine de l'Amérique? OK, les ananas. Quelque chose d'autre, Riley? Les patates douces. Caitlin? Les dindes. Quelque chose d'autre?
les écureuils, quelque chose d'autre? Oui, ça, c'est tous les animaux. Aux États-Unis, il y a beaucoup de programmes d'immersion partout, pas seulement la Louisiane. Alors, mais en Louisiane et en Bretagne, je pense que c'est un peu différent parce que c'est pour la langue, c'est pour l'héritage, c'est pour la fierté de la langue et nos racines et tout ça. Et des fois, on a besoin d'arrondir comme 750 divisé par 49. Tu arrondis 49 à 50. 30. 45, 0, 24, 20, 12, 6, 12, 35, 11, 3, 0. Et toi? Oh, je suis tout bien. J'ai eu une bonne nuit hier soir. J'ai bien dormi. Moi aussi. Toi aussi? Oui. Bien. T'as eu une bonne semaine à l'école? Oui. Hein? Oui. Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Okay, arrête. After more than 20 years of immersion in Louisiana, some former students are slowly starting to take over. Some, like Zoe, just started a career in education as a regular French teacher. Yeah. Il m'appelle Miss Madame Zoe. Non, tu dois dire Madame Zoe seulement parce que Madame veut dire Miss. Alors on dit Madame Zoe, c'est tout. Il dit Miss Madame. Non, Madame Zoe. Merci. Oh, she's getting complicated. Oh, okay, 19 plus 21. Shh. Don't tell him. C'est un secret. 14. Shh. C'est difficile. 14. Quoi? No, that's... What's that one? What is that one, Daquan? Parce que je suis anglophone plutôt et mon français c'est un peu, I don't know, doux. Alors c'est un mélange de beaucoup d'endroits. J'avais des profs qui viennent de Belgique, Québec, France, l'Afrique, tout partout, sauf la Louisiane. Alors, il y a un mélange français qui existe dans ma tête. J'ai des amis qui viennent d'ici, qui parlent en français, et ils parlent un français vraiment différent que les autres profs que j'ai eus dans le passé. Alors, c'est un peu amusant pendant les mathématiques, par exemple. Mes élèves ont eu un seul professeur belge. Et pendant les mathématiques, il me dit 90, 70. Quelque chose comme ça. Et je ne corrige pas parce que je comprends parfaitement. Ils ont appris cette manière de parler. Et pour moi, ça ne me paracasse pas du tout. Je dis, pour moi, j'ai dit 90. Et si un élève dit quoi? Je dis 90, 70. Quand tu as beaucoup de professeurs qui viennent des autres places, qui peut-être parlent un petit peu différent, c'est difficile, comme un professeur peut dire, oh, ça, moi, c'est, tu peux dire en français, mais un autre prof dit, non, parle pas, ça, c'est plus anglais que français. With the influence of all these foreign teachers coming to Louisiana, French is slowly evolving, leaving behind the accent and some of the vocabulary of their Creole and native elders. Mais comment j'enseigne les sciences et les mathématiques? Comment j'enseigne les tableaux de valeurs, la méthode scientifique et tout ça? C'est impossible dans cette parler régionale, c'est vrai. Ça, c'est notre nouvelle réalité.
c'est un peu plus francophone parce qu'on a beaucoup d'influence de la francophonie, du Canada, de l'Europe. Mais c'est pas si bizarre, ça c'est un peu une évolution assez normale, je dirais. Alors pour moi, il faut grandir dans la langue, je dis ça à tout le monde. Il faut pas juste nous limiter à un point. Je vais parler le français louisianais, je vais arrêter ici à ce mot. Je dis, il faut traverser la barrière. C'est important de voyager car quand tu voyages, tu peux voir les autres cultures et entendre les autres langues et ça peut être dans ta vie. But the thing is, Cajun culture was never static. It was always in the process of changing. I'm not sure there ever really was a golden age of Cajun culture. As some people worry about the evolution of the language in the state, many do not see the main danger facing these immersion schools, a reality that turns the work of teachers into a daily struggle, the much too often ignored crisis of the American public education system. Since the 1970s, American schools have failed to keep pace with the rest of the world. Among 42 developed countries, the U.S. rates 36th in math and science. In 2016, the Louisiana public school system was rated as the worst in the country. Ça c'est Audrey. Je m'appelle Anne-Laure Dijoux, je viens de l'océan Indien, donc La Réunion, c'est mon île d'origine. Et avant d'enseigner en Louisiane, j'enseignais à Mayotte, donc c'est toujours dans l'océan Indien, mais un petit peu plus loin. On avait la liberté d'enseigner ce qu'on devait enseigner de la manière dont on voulait l'enseigner. On avait un programme, oui, mais à l'intérieur de ce programme, on avait la liberté de quand on enseignait, comment on l'enseignait, quels outils on utilisait pour l'enseigner. Tout ça, peu à peu, on nous l'a volé. Le problème, je pense, pour mes collègues américaines, c'est pas de suivre le programme à la lettre, c'est que le programme à la lettre en question change tout le temps. Parce qu'en 6 ans ici en Louisiane, on a changé 3 fois le programme de maths. In 2001, George W. Bush launched the No Child Left Behind Act that made compulsory the measuring and testing of all students in America. Et j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils ont... Je pense qu'ils ont des publicistes et des gens qui ne font que ça. Comment est-ce qu'on insinue une idée dans l'esprit des gens pour que maintenant, si on a le culot de dire « c'est pas la peine de tester », on est pris pour un imbécile. Ils ont un test au début d'année pour évaluer leur niveau. Ils ont les tests, un test à la fin de chaque période, donc toutes les 9 semaines. Pareil, pour évaluer leur niveau, pour rendre compte aux parents et voir où ils en sont. Ils ont les tests qui sont commandés par le district, par le school board. Donc ça, c'est au niveau de la paroisse. Après, ils ont les tests que doit faire tout l'État de Louisiane. Donc, ouais, ça fait beaucoup. These students are residing in the United States. They're residing in Louisiana. They're going to generally be in an environment where English is the first language, and they should be fully proficient and measured as such. They should be measured in the same way that other students are measured. On n'enseigne que ce que l'on teste, et on ne teste que ce qu'on en enseigne. Il y a 30 ans, on aurait dit ça à quelqu'un. On aurait dit ça à Freinet, mon Dieu. On aurait dit ça à n'importe quel pionnier de l'éducation. On irait dire ça aux gens en Finlande. Mais c'est aberrant. Il
Il faut avouer que les premiers jours, j'ai voulu arrêter. Pour moi, je me suis dit que c'était une honte pour moi après avoir enseigné pendant si longtemps et après avoir été même directeur d'école pendant si longtemps et échouer là, parce que je me suis dit que je ne voulais pas échouer. Ils ont besoin d'un rythme d'enfant. L'école commence trop tôt pour un rythme d'enfant. Ils rentrent à la maison par rapport, tu sais, les bus et tout, le temps que ça met avant qu'ils rentrent trop tard. Ils ont trop de devoirs. À moins que le public américain se réveille et il n'a pas l'air de vouloir se réveiller, eh ben, l'éducation publique va continuer à se dégrader. On est dans cette école de professeurs venant de France, Belgique, Haïti et tout ça. Chacun, à travers notre enseignement, nous parlons de culture aussi. Ça a ouvert l'horizon à des tas d'enfants pour qui le bout du monde, c'était d'aller à la Nouvelle-Orléans. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'Afrique ici. Ils ne connaissent pas mes élèves. Je peux avouer même que certains professeurs ne connaissent pas. C'est tout ce qu'ils voient, c'est sur National Geographic. Et la plupart des fois, quand on parle de l'Afrique, on voit les maladies, on voit les animaux, on voit la pauvreté, c'est la misère. Certains ne savent pas encore qu'en Afrique, on a une maison comme ça, qu'on a de la lumière, qu'on a un aéroport. Parce que je me rappelle, ma première année, une question qu'un élève me disait, c'était « Monsieur, est-ce que si je vais en Afrique te voir, est-ce qu'on va me manger ?» J'ai dit, on va te manger comment? Oui, parce que j'ai vu dans une bande dessinée, il y a des cannibales en Afrique, on peut être mangé. Les Américains réalisent qu'il faut être un peu ouvert sur le monde, plutôt que centré sur soi-même, et que ça aide à faire ces échanges-là. D'un seul coup, l'Afrique est dans ma classe, la France est dans ma classe, les Caraïbes sont dans ma classe, le Canada, tout ça, c'est extraordinaire. Avec la mondialisation, je pense que et l'opportunité qui s'ouvre à ces enfants, il est très nécessaire que ces enfants aient l'esprit ouvert. Et il y a un proverbe d'un Africain, Amadou Ampateba, qui dit que toute langue acquise est un gain. Autant de langues tu parles, autant d'hommes tu représentes. Je le dis chaque fois à mes élèves, je dis, mais écoutez, vous parlez l'anglais, vous parlez le français, vous représentez deux personnes. C'est le monde qui s'ouvre à vous. Mais c'est frustrant parce qu'on se dit, mais on arrive à leur faire ça quand on est coincé de tous les côtés. Alors vous imaginez ce qu'on pourrait faire si on nous donnait la liberté? À quelque part, c'est quelque chose peut-être qui manque dans leur fibre, dans leur être, de protester. Et c'est quelque chose que les Acadiens ont de la naissance. Il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre pour nos droits. On les veut, on y a droit. Sans engagement politique, à mon sens, rien n'est possible. You've got an immersion program here, but you've also got this line that you can meet here to
that is representative, and I'm sure if you were to ask Miss Ian's mom right behind me. Il faut se battre constamment pour ne pas perdre pied. Il faut se battre constamment pour pouvoir faire pour avoir un peu une bouffée d'air pur quand la porte est fermée. Le gouvernement états-unien, ni le gouvernement louisianais, ils veulent pas donner de l'argent à la culture. Mais c'est comme, ça sert à quoi la culture? What you would like to see happen is occasionally have a superintendent says we're going to take the worst school in our parish and we're going to figure out a way to change it. We're going to change it in a way that has not been seen before. We're going to bring in and introduce not a pilot program. We do pilot programs all the time. We're going to take an off-the-shelf product that we've offered in Louisiana that has proven time and time again to be successful. We're going to plug it in there. What we want to try to do with these heritage languages, and I'm a very, very big supporter of not calling French or Spanish foreign languages, but calling them heritage languages, because they are heritage languages in Louisiana. They're still spoken by people who have been here since the colonial period. Il y a vraiment un décalage entre ce qu'on est en train de produire sur le terrain en termes de jeunes francophones louisianais et les cours qui sont offerts et les possibilités d'embauche par la suite. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore articulé les écoles d'immersion française à l'économie. La Louisiane n'a pas vraiment décidé ce qu'elle va être quand elle sera grande. Tous ces 5000 élèves qui sont dans les programmes d'immersion sont totalement ignorants de ça, mais ils sont là, une main-d'œuvre bilingue en herbe. Tu crois qu'il est gentil? Tout le monde dit que c'est une grande vingtaine. Ils ont le devoir de reconnaître la valeur économique qui est dans toutes ces classes des 5000 élèves qui sont en immersion là et de se tâcher à les orienter de manière juste, fidèle et efficace. Let's recognize what is happening today with these companies and their investments here and the jobs they create. That's the tip of the iceberg as to what we have potential to do here in Louisiana. We need to invest as a state. We are investing monies, but we're investing incrementally. We need to make a more sizable and sustainable investment in immersion. Tout est politique. Ceux qui vous disent que la politique n'est pas trop importante se trompent lourdement. La première pièce de législation que j'ai offrie était en français. Et je me souviens bien quand le speaker de chambre m'a dit « Arrêtez, arrêtez, il faut discuter son résolution en anglais. » Et aussitôt qu'il a dit ça, il y avait un autre français. J'ai oublié, je pense que c'était Jack qui a dit « Attention, point of information, Monsieur Speaker, français est la langue officielle de la Louisiane aussi. » Donc with many French-speaking senators and deputies about to retire, many wonder what will happen to the fight for French in Louisiana politics. Il nous faut de toute urgence une élite, jeune élite politique francophone. Sans ça, sans avoir au moins une vingtaine de jeunes députés et sénateurs dans les chambres législatives de l'État de Louisiane, à mon avis, le français n'a aucune chance de survie parce que les budgets pour pouvoir faire tout cela, il va falloir doubler ou tripler le budget actuel du COLOFIL. And there are a lot of people out there saying that they want this invested in or that invested in, they want money for this or money for that. You know, if this is going to be a priority, we who are in leadership have to step up and make it a priority and put our money where our mouth is.
Until a more comprehensive promotion of French is taken up by Louisiana politicians, activists and artists keep fighting to take the language out of the classroom, one day at a time. Activists and artists like Louisiana icon singer Zachary Richard. Sortir ce français de l'école pour qu'il puisse l'utiliser, le parler et l'utiliser en dehors de l'école. On pourrait les parachuter à Dakar, à Québec, même à Paris. Ils vont survivre. Il y a beaucoup de jeunes gens qui veulent un jour voir plus du monde qui se parle dans la rue, dans les bars. Si je pourrais changer quelque chose, ça serait de changer même nous autres. Ben, c'est deux côtés. Il y a deux côtés. Est-ce que j'aimerais changer le gouvernement pour avoir du soutien, mais en même temps, il faut changer le public aussi parce qu'on ne demande pas ça. Les politiques peuvent nous aider un petit peu, je pense, mais je pense que dans la vie quotidienne, nous, les habitants, doivent travailler avec ça, nous occuper de ça. C'est un choix. Et quand je dis c'est un choix, c'est que je pourrais passer toute ma vie dans le sud de l'État en anglais. T'es paré? Moi, je suis paré. Most Cajuns out there seem to have decided, just in a de facto way, that they're as Cajun as anyone ever has been, and as Cajun as their grandparents, and they're as proud as could be, but they don't speak French, and that doesn't seem to bother them all that much. I suppose if they had a chance, you know, or choice, they would prefer to speak English and French, but for many of them, it's a very hard thing to do, to learn French from scratch, especially if you're, you know, not a five-year-old with a mind like a sponge. So how do you learn a language when you're not a kid? Well, once again, some turn to the international community, going abroad to solve a local issue. Je vais aller en France et je vais rester là pour 8 mois. Et je vais rester avec les autres étudiantes comme moi et on va apprendre le français. On va enseigner les enfants là. Je veux être un maître d'école parce que je crois que le français ici est très important. Ils enseignent l'anglais dans des écoles françaises. Alors oui, ils enseignent en anglais, mais ils devraient quand même, parce qu'ils sont en France, améliorer leur français et ils vont revenir et ils vont être certifiés pour être prof de français dans les écoles. Alors, c'était intéressant parce que pour chaque ville, on avait rencontré du monde qui disait, « Mais qui vous êtes? » Et on disait, « Oh, on vient de la Louisiane. » Il y avait toujours les remarques, les personnes qui disaient, « Oh, ça c'est remarquable, c'est la vieille colonie de la France, et les petits Cajuns du Bayou et tout ça. » Je veux enseigner les enfants français. Et, ouais, je suis un petit nerveux pour aller là, en France, parce que c'est loin d'ici et je connais pas un tas de France. Et mon français est bon, mais pas le meilleur. To all passengers who confirm seat outside security,
making this leap of faith, crossing an ocean to save his heritage language. Theo is getting married to Megan. Megan is also a French teacher with Louisiana French origins. Their story started in Canada in an immersion program for adults. Bonjour! Bonjour! On se rencontrait, c'était à l'Université Sainte-Anne. Et c'était pas hasard, c'était pas comme... On savait pas que on allait là ensemble. C'était juste par hasard, on était à la même université. On était dans le même groupe. Dans un autre pays. Ton papa, il comprend beaucoup, oui. Oui. Il parlait seulement avec sa grand-mère. Alors, c'est pas sa première langue ou... Sa mère, avec sa mère. Il parle avec... Sa grand-mère. Avec sa grand-mère. Non, il a jamais parlé avec ses parents. C'était avec sa grand-mère. Et je me demande, si je continuais, qu'est-ce que je trouverais? Il me semble que c'est toujours dans les climats froids qu'ils ont les soins de santé pour tout le monde et le congé de maternité et le financement culturel. Ils savent comment s'occuper des affaires là-haut. Mais ils n'ont pas de bon boudin. S'ils mettent des nègres sur le chemin de fer, le gros char va arriver, il va siffler sonner la cloche, quoi s'il va faire? Il va déployer ses ailes, il va s'en aller. S'ils mettent l'écrevisse sur le chemin de fer, le gros char va siffler, va sonner sa cloche. Tu crois qu'il va s'en aller? Jamais la vie. Il va lever ses pinces après arrêter le gros char. Ouais. Et ça, c'est le courage. Je commence à me rendre compte que si je parle pas français, dans des petits moments comme ça, même si ça compte pour rien, c'est juste une conversation dans mon salon, oui. Mais si je n'ai pas l'habitude d'insister sur le français, c'est là où ça va... Si même moi, qui est assez activiste, rentrer là-dedans et tout ça, si même moi, je change en anglais tout le temps, ben, qui va parler français? Si moi, je parle anglais, qui va parler français? Parce que dans mon cœur, il vit une passion comme un feu de parler français. Je veux partager cette passion avec les enfants. Alors, il faut que je trouve une façon d'allumer cette passion. Il faut tout simplement prendre la responsabilité de parler cette langue, prendre la décision de créer, de vivre, de travailler dans cette langue qui est la nôtre. Tourner la page et de considérer la francophonie louisianaise, même si elle est très fragile aujourd'hui en Louisiane, mais de la considérer à part entière membre de la francophonie mondiale. Ok, Gemma, avance. Allez. Quelqu'un peut dire, dans ce coin, c'est un Français qui parle. Dans ce coin, c'est un Québécois qui parle. Et dans ce coin-là, c'est un Louisianais qui parle. Alors, on veut avoir cette identité linguistique, tu vois. On sait qu'un peuple, la culture d'un peuple meurt si sa langue meurt. Bon, ben, on n'a pas réussi à sauver la langue Cajun, peut-être, mais on a sauvé la langue. Une langue qui est quand même assez proche de la langue Cajun. Des jeunes Louisianais, des jeunes francophones qui sont militants et qui veulent vraiment faire quelque chose pour le français survivre en Louisiane doivent devenir nos futurs hommes et femmes politiques. Est-ce qu'on vous les mettez toutes à côté comme ça, ça fait un peu mieux. French almost disappeared in Louisiana in the 20th century. But it is coming back to life with new generations. As Louisiana opens up to the world, Théo's choice will make a difference.
That's what my girl.